et je regrette jamais d'avoir été volontaire de guerre. Parce qu'au fond, c'est bêtement arrivé par ce capitaine qui s'appelle Haas, qui venait chercher des fleurs, et que j'ai compris, tiens, je dois me rendre utile pour sauver la patrie. Voilà. Donc, rien que ça. Par contre, hein, il y a juste moment, elle a versé des larmes. Oh, je verrai plus mon fils. Donc vous faites beaucoup de travail de mémoire encore, en Belgique surtout, et, pour rappeler ce qui s'est passé. Vous savez quel âge que j'ai? Oui. Une centaine d'années, presque, à ce qu'il paraît. On va fêter en septembre. Il y a encore quelque chose là-dedans. Parce qu'on oublie vite, surtout avec ce qui se passe, hein, la crise, etc. Ouais. Et je suppose que c'est la même chose ici, au Grand-Duché. Absolument. Hein, ouais. Vous avez bien raison. Passer outre. Ouais. Alors nous, on a été très intéressés de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager volontairement en tant que jeune au sein de la brigade Pian. Ben, écoutez, c'est pas compliqué. J'étais donc dans les études de l'architecture. Hein, et le fait que j'avais 15 ans quand la guerre s'est pas déclarée, les Allemands sont arrivés sans demander la permission. Ça, ce sont des brutales. Hein. Mmh. Alors, voilà. Donc, c'est arrivé quand j'avais 15 ans. J'étais au collège à Louvain. Si tu connais Louvain, c'est le grand collège de la Sainte Trinité. Enfin, soit, c'est un détail. Mais de toute façon, c'est là que j'ai connu donc les Allemands au début. On était gamins et on n'avait pas encore cette peur que beaucoup de personnes connaissaient, la race allemande, teuton, comme on dit. Mmh. Eh bien, ça, évidemment, moi, mais là, c'est mon père qui m'a dit que ça, je ne vais pas rester ici. Il a connu 14-18, et ce sont des éléments très dangereux. Hein. Alors, évidemment, pour éviter de voir tous ces Allemands, on a pris la voiture, on est parti. La première chose qui m'a fort surpris, passer la frontière, il y a déjà les Stuka. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Et c'est un gendarme, juste à temps, dites, monsieur, vous allez là, mettez-vous là, dans le bosquet, parce qu'ils sont là. Mmh. Et heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Mmh. Et c'est atroce. C'est la première scène qu'un jeune, tous ces jeunes qui voient, on n'a jamais vu la guerre. Mais là, ça dénote déjà que ça devient quelque chose de sérieux. À notre esprit de jeune, oui, 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 s'il y a tous ces cadavres, des enfants qui crient, hein, maman, 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 ben voilà. Donc, ça reste déjà une trace pour dire que ça va être, ce n'est que le début. Mmh. Voilà, donc ça c'est le début. Maintenant, comment je suis arrivé à faire le chose, étant donné que je fais des études, hein, c'est bêtement, c'est-à-dire le capitaine Haas de la brigade Pirot, quand on a libéré Bruxelles, il faisait le tour, et par Louvain, il y avait de la famille, et comme mes parents étaient fleuristes, il allait chercher des fleurs. Et ça veut réussir que moi, à ce moment-là, je rentrais de Saint-Luc, dans l'époque que je viens d'expliquer. C'était Bruxelles avec le tram, et je m'arrête à Louvain. Donc, au feu, c'était toujours pénible. Le tram le matin pour aller, et le soir pour revenir, le tram. Bruxelles, Louvain, Louvain, Bruxelles. Mmh. Voilà, donc ça c'est déjà un élément que je faisais ça tranquillement, avec beaucoup de courage et sportivement. Donc ça, le matin à 6 heures, on devait prendre le bus, non, le tram, il y avait des bus.
Mais c'était pas bien. Le tram, c'était plus direct. Et alors voilà, on est arrivé. Et ça fait qu'à un moment donné, il y a mon père qui dit, hein, alors, ça c'est mon fils, il vient de Bruxelles. Il fait des études d'architecte. Alors, lui, je demande au capitaine, tiens, c'est la première fois que je serre la main de la brigade Piron. Hein? Oui, et je suis venu, voilà la raison, je suis venu pour engager des jeunes, pour remplacer ceux qui sont morts. Il y en a combien de, qui sont décédés à la brigade Piron, tu ne sais pas. 150 environ, c'est peut-être plus, mais ça c'est une chose. À l'artillerie où j'étais, il y en avait 50. 50, et c'est pour ça qu'ici, le Grand-Duché, ils ont participé à la guerre. Hein? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Je n'en sais rien. Plus ou moins, d'après mon président, il a dit vrai. Mais pourquoi on ne continue même pas à se souvenir de la brigade Piron? Je suis sûr qu'il y a des enfants de ces soldats de la brigade Piron. Ils doivent quand même avoir des enfants qui s'intéressent à savoir que leur père ou le grand-père était de l'armée de la brigade. Est-ce qu'on s'intéresse encore ici au Grand-Duché de ce système de la guerre et comment ils ont vécu toutes ces choses. Si, il y a encore une fraternelle qui existe ici, avec donc, des enfants qui gèrent ça. Et d'autre côté, c'est nous, le musée, donc, qui a pris le devoir. Voilà. Et je crois qu'il y aura sûrement beaucoup de jeunes qui viennent demander des explications. Parce que c'est dommage. Les étudiants où je vis, Louvain-la-Neuve, ils ne savent même pas ce que c'est. Monsieur, vous parlez de brigade Piron, qu'on n'est pas. Voilà. Et c'est pas seulement en Louvain, c'est pas seulement en Belgique, mais je crois qu'ici, la jeunesse ne s'intéresse pas assez. Et maintenant, ça commence tout doucement. Il faut qu'on puisse procéder à une allure de faire connaître à la jeune génération ce que nous avons vécu. Il n'y a pas de personnage ici, il n'y a personne. Des personnes âgées de mon âge, et ils deviennent rares. Donc, moi, je porte ici le symbole de cette période. Hein, parce que des survivants, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Tu viens de dire, il n'y en a plus. Presque plus, oui. Autant dire. Oui. Eh bien, voilà. Donc, ça, c'est déjà une partie. Maintenant, si je continue, j'en ai jusque sûrement demain. Parce que tout ce qu'on a vécu à la brigade Piron, ça vaut la peine d'être connu. Il y a des hauts et des bas. On vous écoute donc pour la formation, par exemple. Vous avez encore de l'expérience. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la formation en sein de la brigade Piron? Il y avait 3 mois normalement de formation. Je dois dire que j'étais gâté. Arrivé à Mertem, c'était là l'endroit où on s'engageait, hein, les volontaires de guerre, à Mertem. Mais il y a encore un autre, Huddersfield, comment est-ce que ça s'appelle, hein, tu ne sais pas. Moi, c'est Mertem. Alors, la première chose, c'est qu'on arrive au mois de novembre 1944. Eh bien, on était tout de suite embauchés, et c'est ce qui est magnifique, et je regrette jamais d'avoir été volontaire de guerre. Parce qu'au fond, c'est bêtement arrivé par ce capitaine qui s'appelle Haas, qui venait chercher des fleurs, et que j'ai compris, tiens, je dois me rendre utile pour sauver la patrie. Voilà. Donc, rien que ça. Par contre, hein, il y a juste un moment, elle a versé des larmes. Oh, je ne verrai plus mon fils. Mais, capitaine Haas, écoutez, madame, de toute façon, il vient chez moi. Je suis à l'état-major de l'artillerie. Je l'engage pour moi, parce que vous faites des études de dessin,
Donc, vous savez ce que c'est qu'une carte. Une carte routière, mais plus spéciale pour les militaires. Oh oui, ça me... parce que j'étais scout en plus, donc on avait des cartes spéciales de l'armée. Ah, ça m'arrange très bien. Et alors, il était tout content. Et moi, j'étais content parce que mon père, à l'époque, je l'ai encore cette preuve. Oui, mais il n'est pas majeur. Non, j'avais 17, 18 ans. Donc, je devais avoir l'autorisation des parents. Hein, tu te rappelles peut-être. Eh bien, il a fait son petit papier. Et voilà, c'est parti. Voilà, je suis engagé comme volontaire de guerre. Voilà, c'est la période qui m'a fort... Oui, comment est-ce qu'on peut dire l'expression pour dire que j'étais surpris? Surpris par cette audace que j'ai arrêté mes études. Ça, c'est un fait. Parce que j'étais en quatrième architecture. Et maman disait, non, Xavier, hein, je m'appelle Xavier, parce que je ne sais pas si tu sais, mais il faut que m'appeler Xavier, ça m'a rajeuni. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore faire parce que je... Alors, Xavier, on s'est juste posé la question, est-ce que tu as été accepté sans contrôle aucun de la part de l'armée, ou est-ce qu'on s'est intéressé à ce que tu avais fait peut-être avant? Dans ta vie de jeune, on a pu entendre parler de quelque chose que tu avais aussi peut-être résisté un peu pendant l'occupation allemande contre les Allemands. Ah, est-ce que ça a joué pour qu'ils t'acceptent au sein de la brigade Piron? Oui, évidemment. Maintenant, ici, on parle de l'occupation, mais on ne parle pas de la brigade Piron. L'occupation, il n'y avait pas de brigade Piron. Hein, c'est venu après, hein, quand il y a eu la libération de Bruxelles et qu'on a débarqué en Normandie, maintenant il y a 80 ans, donc c'est un bel anniversaire. Et je vous conseille de venir aux choses du débarquement, à Romanches, Normandie, etc. Il va y avoir une fête. Connais les Français, quand il faut quelque chose, c'est pas une petite pute, c'est grand. On a des tapis rouges. Et je me rappelle l'année passée, eh ben, quand je suis arrivé, toutes les femmes me disent « Voilà notre libérateur !» Voilà. Et ok. Mais en Belgique, ils ne connaissent pas ça, libérateur. Et évidemment, gentiment, ils m'embrassent. Voilà. Ça, c'est un beau souvenir que je garde. Alors, voilà, ça c'est le début de ce qui s'est passé lors du débarquement. Évidemment, le débarquement, c'était très difficile, du fait que ce sont des jeunes soldats, tous ces soldats qui étaient engagés à la brigade Piron. Hein, et malgré tout, il y a eu le contrôle et l'inspection de la British Army. Et ils ont dit tout de suite, l'armée belge est compétente pour entrer dans la bagarre. Eh bien, en effet, j'ai eu des félicitations, puisque j'étais à l'artillerie, à l'état-major, et souvent il y a le coup de fil. « I want to speak to Mr. Il s'appelle Dekerk. Hein? » Alors évidemment, je passe le cornet, c'est pour féliciter le commandant de l'artillerie, que c'était formidable. Et ça, c'était le commencement de la... Allez, comment est-ce que c'est ça? Il y a les ordinateurs, la modernité de toutes ces choses. La radio? Non, la... Enfin, soit, ça reviendra. Et alors, évidemment, c'est une activité pour moi très facile parce que c'est la première fois que je voyais des enregistrements par... c'est pas télégraphe, voilà, c'est un mot qui m'échappe. Donc, voilà, c'est ça qu'il disait tout de suite, qu'avec
l'endroit où l'objectif du canon est vraiment réalisé, c'est à 5 à 10 mètres à côté. Mais plus on en est compétent de faire mieux, finalement, c'est pour ça que les Anglais téléphonaient. Hein? Congratulations! Hein? Et voilà. Et c'est pour ça que les Allemands, ils étaient, quand ils voyaient, la brigade Pirot et surtout l'artillerie, mais tous les autres, ils ont fait tout leur possible. Ça restait un bon souvenir pour les Anglais, les Canadiens, etc. Mmh. Donc, de ce côté-là, ça a été une belle réussite. Et c'est pour cette raison qu'on a emporté tout de même la victoire. Hein? On est passé par Bruxelles, on est passé par la Hollande, et que par suite de ça, malgré que la Hollande, c'était le front très, très bien défendu par les Allemands. Mais encore une fois, avec les canons, hein, qu'il y avait des obus spéciaux pour les bunkers. Hein? Ils savaient faire des percements, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, et je répète encore maintenant, la résistance existait aussi en Hollande. Et on n'en parle pas assez. Pourtant, il mérite une médaille. Il mérite de félicitations. Parce que s'il n'y avait pas la résistance, c'est que, au fond, c'est ça qui est dommage. Parce qu'ils ont fort aidé les Alliés. Hein, le débarquement, oui, il en fait difficile pour débarquer. Mais grâce à la résistance qui ont attaqué par derrière, hein, ce n'était pas prévu par les Allemands. Ils rentraient carrément dans les bunkers, pam, pam, pam. Et alors, ça fait que c'est déjà un procédé qui était vraiment admis et tout simplement admis et donne de bons résultats. Mmh. Donc ça, c'est déjà une chose. Et alors, évidemment, pour gagner toute cette histoire de la côte, parce que avant qu'ils aient pris possession d'un territoire, c'est arrivé, évidemment, avec beaucoup de peine, mais grâce, je répète, le résistant français, je dis bien français, et qu'ils ont fait du bon travail. D'ailleurs, dans tous les endroits où il y avait de la résistance, le port d'Anvers a été épargné par des résistants. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des questions à poser? Peut-être par rapport à vos missions personnelles pendant tout ce temps-là. Vous étiez donc au QG et vous avez fait la liaison entre les artilleurs qui étaient sur le terrain en train de tirer et les quartiers généraux. Comment peut-on imaginer votre travail régulier au niveau quotidien? Je suis fier d'être à l'état-major. Mmh. Donc, en général, à l'état, quand on est là, on ne sort pas du bureau. C'est un bureau. Hein? Seulement, il y a une chose, c'est que par mission spéciale, urgente, on doit voir sur place ce qui se passe. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'être parmi c'est le personnel de l'état-major. Ils ont pris place dans un camion, etc., etc. Et que c'est en revenant que j'étais blessé. Par contre, je suis invalide de guerre. Donc, c'est par suite de ça que je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais en sautant du camion, quand on saute, c'est déjà assez haut. Mmh. Et c'est ma barre qui a pris dans les crochets des bâches qu'on met sur le camion. Quand j'ai sauté, j'arrive, mais je n'ai même pas senti que mon doigt était arraché. Mmh. Tellement que, avec le poids, etc., je suis tombé et là j'avais blessé tout mon. C'est ici, hein. Ah oui. Tout ça s'était ouvert parce que quand je suis tombé sur les pavés, ce sont des pavés, c'est pas du macadam, et bien le frottement, etc., tout ça s'était ouvert. Alors j'étais donc admis à l'hôpital à Eindhoven.
Tu vois, c'est encore... Il faut me féliciter. Oui, absolument. Parce que... Vous faites ça très bien. Rappelez tout ce que j'ai vécu. Eh bien, Eindhoven, c'est un chirurgien anglais comme ça. Il a bien fait ça. Hein? À un moment donné, il dit, quand je suis arrivé à l'hôpital, « Where is your finger? Hein? Où est votre doigt ?» Oh, I don't know. J'ai pas le temps d'aller le ramasser. C'est un copain le lendemain qui l'a dit, ah, on a trouvé ton petit doigt. J'ai dit, ben ça ne fait rien. Il faut oui, on va l'enterrer à l'arbre. Et ça fait que je ne suis jamais allé voir si mon petit doigt était en train. Voilà, ça sont des petites histoires amusantes, mais pénibles pour moi. Et malgré que on m'a déclaré invalide hier, ça c'est une bonne chose. Parce qu'avec le temps, maintenant, surtout, un invalide, il a beaucoup de choses, un avantage, point de vue médecine, point de vue pharmacie, point de vue congé, etc. Et on est fort soutenu, heureusement. D'ailleurs, les invalides, ils méritent ça. S'ils sont blessés, c'est parce qu'ils ont voulu quand même prouver leur présence pour faire la liberté à tous les citoyens. Et ça, c'est une chose que j'admire. Parce que malgré que maman a laissé des larmes, j'ai dit, j'ai fait un bon devoir de bon patriote. Voilà. Mmh. Encore des questions ? Est-ce que vous vous souvenez du 8 mai 1945, qui est la date de la capitulation de l'Allemagne en Europe ? Peut-être que vous vous souvenez ce que vous avez fait cette journée-là, où vous étiez, quelle était votre réaction par rapport à cette très bonne nouvelle ? Oui. Eh ben, c'est tout simple. C'était l'époque où j'ai été blessé. Mm-hmm. Donc j'étais en Hollande. Et c'est justement en allant en mission des inspections chez les canonniers, hein, parce qu'il faut tenir ça à l'œil. Et quand je suis revenu, j'ai eu ma blessure avec les choses. Donc, pendant la capitulation des Allemands, j'étais à Eindhoven. Mmh, et là, évidemment, il y avait le peuple hollandais et surtout les filles. Ah, oh, le libérateur est là. Mmh. Ils ont grimpé le mur. Et qui sont venus embrasser. Ça prend ici dans mon cœur que sachant qu'il y a quand même la population qui ont vraiment félicité ceux qui ont donné, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes pendant la guerre. Il ne faut jamais oublier ça. Et parce que maintenant, on oublie trop ce que les Alliés ont fait. Des centaines de mille qui ont laissé leur vie. Et la deuxième chose, quand je pense qu'on a libéré des camps de concentration, eh bien ça c'était affreux à voir. Quand on était en l'Allemagne occupée, il y avait l'occupation de la brigade Biron, mm-hmm. du côté de Münster, eh bien on allait vite, non, on allait libérer, il y avait Saarbrück et l'autre c'était quoi, enfin n'importe, ça viendra. Eh bien, c'est triste à voir tous ces pauvres. Il faisait chaud, ils étaient tout nus, mais ils n'avaient plus que la peau sur les os. Et on ne pouvait même pas les approcher. Les infirmières envoyées par la Croix-Rouge, ils ont interdit qu'on vienne les serrer les mains ou les embrasser ou les féliciter. Non, non, pas bouger. Mmh. Eh bien, ça me laisse aussi quelque chose de très, très lamentable que ce que les Allemands ont fait souffrir le peuple, n'importe quel peuple, que ce soit allemand ou n'importe. Parce que même l'Allemagne, il y avait des oppositions. Il y avait beaucoup des Allemands qui étaient contre Hitler. Et c'est ça que, finalement,
Hitler s'est suicidé parce qu'il y avait eu, avec les officiers, à un moment donné, des émeutes. Hein. Ils se sont vraiment sentis une partie qui était pour Hitler et une autre partie contre. Et c'est ça qu'ils ont mené, l'armistice, qu'ils ont dit que c'est fini la guerre. C'est tout, je vois. Non, non, pas encore. Oui, donc vous venez de nous dire que vous étiez donc chargé, après la fin des combats, de garder, de désarmer les Allemands du côté de, si j'ai bien compris, Münster et Saarbrücken. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé là-bas. Bon, c'est très simple. Donc, on était à Selm ou Kappenberg, ça dépend. Eh bien, la vie était très, très, très facile pour ceux qui sont arrivés là, de la brigade Piron. La première chose qu'ils ont dû faire, c'est d'aller veiller dans les fermes environ, parce qu'il y avait beaucoup de camps, oui, justement, et qu'il y a des personnes qui ont évadé tous ces endroits pour aller travailler et engager dans les cantines militaires. Ça, ça pour, parce qu'ils ne savaient pas faire, ils ne connaissent pas l'Allemagne, ils sont quand même arrivés dans des cantines. Il y en avait chez nous 3-4 cantines où on pouvait boire son verre. Et j'entendais de loin, il y a Kochotchen. Il y a des Polonais ici, non? Kochotchen, je vous aime, je t'aime. Polonais qui criait, hein? Je lui servais son verre, hein, Yakochotchen, ça veut dire « je t'aime ». Il a deviné. Ben, ça me fait du bien, parce que pour ces pauvres, et des jeunes, et des moins jeunes, eh ben, ils apprécient quand même que ce qu'on a fait pour les libérer. Parce que ça, j'ai jamais compris, avec la force des Allemands, qui occupaient toute l'Europe et qui sont parvenus quand même à céder et à reconnaître qu'avec les Alliés, il ne fallait pas jouer. Hein, les Américains, Anglais, etc. Ils avaient du matériel supérieur aux Allemands. Alors qu'en 40, quand ils sont venus envahir la France, la Belgique et tout ça, eh ben, ils étaient équipés. Hein. En quelques jours de temps, de la frontière, ils ont percé, ils ont mis au moins, pour aller à Bruxelles, ça fait 8 jours. Et la côte, ça fait 15 jours. Fin de mai, ils occupaient déjà une partie de tout ce qui est la Belgique. À tel point que, là, je vais revenir, tous les Alliés étaient groupés sur la plage. Des centaines de milles qui attendent pour faire la traversée. Alors, les bateaux, les navires, n'importe lesquels qu'ils sortent, eh ben, se sont embarqués. Malheureusement, il y a eu des torpillages, hein, et des bateaux. Il y a des avions, hein, des Stuka, qui arrivaient. Heureusement, qui avait la RAF, la Royal Air Force, qui sont venus juste à temps pour éliminer. Et comme ça, il n'y avait plus d'avions. Eh bien, c'est alors qu'ils ont quand même parvenu. Il y a eu 100 000 Belges qui ont pu traverser, sur 300 000 qui ont pu être évacués. Voilà. Maintenant, pour savoir comment et pourquoi on appelait la brigade Piron, c'est bien simple. Après les instructions des jeunes soldats, parce que c'était, hein, eh ben, il y avait donc des contrôles par la British Army. Et un beau jour, il y avait la grande manœuvre, et quand ils ont fait les manœuvres, les officiers anglais, ils ont dit, la Belgique, l'armée belge est compétente de faire avec les autres le débarquement. C'est ça qu'on a fait, le débarquement. Maintenant, brigade Piron,
parce que quand ils ont débarqué, ah, l'armée belge. Non, c'est arrivé quand ils ont libéré Bruxelles avec les Anglais. Et qu'on criait dans la rue, ah, nos petits Belges sont là. Parce qu'ils voyaient le match, ce match ici. Hein, voilà. Ça, c'est une belle histoire qui donne du courage à tous ceux qui ont souffert. Si je suis ici, je le dis tout de suite, c'est en mémoire de ceux qui sont morts. Hein. J'ai des copains à côté de moi qui ont été morts, tués par un SS. Il a sorti son revolver par rapport, parce qu'il ne voulait pas parler allemand. Et ça, ça me reste sur l'estomac. Je t'assure que quand on voit ton ami Robert hein, par terre, et alors il dit, l'officier allemand, SS, il dit, « Geh zurück nach Hause, schnell hein, !» Il disait que je devrais rentrer. Hein. « Nein, ich gehe nicht nach Hause. Ich wollte mein Freund mitnehmen. » Si tu comprends ce que ça veut dire. Eh bien, voilà. Il a dit, « Non, non, geh schnell !» Schnell zurück nach Hause. Ça fait que pour moi, ils ne m'ont pas tué. Donc c'est déjà une chose qui est un peu is. C'est bizarre. Mais il a fait dans le sens que hein, je reste avec ce décès de mon ami. Ça reste toujours une plaie. Une plaie terrible de voir un camarade. Ça y est, et voilà. Et donc, ça c'était vraiment le point de départ pour faire la résistance, donc. La résistance. Bon, ça c'était déjà avant que les Allemands arrivent. Hein, parce que. Pour votre mission maintenant. Ils étaient déjà en France et en partie déjà qu'ils avaient avoir quand même la supposition, c'est-à-dire que la France, jusqu'à la frontière qu'ils avaient donc fait beaucoup de gagner la guerre parce qu'ils étaient fort bien équipés. Et c'est pour ça que je dis, il faut quand même que je fasse quelque chose. C'est en ce moment-là. J'avais quand même 17 ans quand je me suis engagé comme volontaire de guerre. Bon, j'étais gamin. Mais j'ai d'abord été résistant. Parce qu'il y avait un professeur de Saint-Luc hein, qui me disait, comme il était chef de résistants à Bruxelles, j'ai un petit travail. Alors il raconte, mais ça doit rester entre toi et moi. Hein? Et c'est quoi? Eh bien, écoutez, quand les avions sont descendus par la DCA, il y a toujours des pilotes qui échappent et qu'on parvient à les savoir pour les prendre et par les zones spécialisées pour les laisser passer par les frontières, etc. Il y avait une équipe qui était spécialisée. Hein? France, Espagne, Portugal. Eh bien, moi, j'ai jamais su combien il y en a eu. Maintenant, après la guerre, beaucoup après, il y avait quelqu'un qui connaissait l'histoire. Eh bien, j'en ai sauvé 60. 60. Et ça peut être plus, mais pas moins. Ça, c'était une belle idée que j'ai eue, c'est d'être engagé à la résistance. Et ça, c'était mon boulot jusqu'à la fin. Voilà. Donc, et ça va l'enregistrement, oui. Ils écoutent attentivement. Bah, j'ai encore deux, trois autres questions directement en relation avec vos camarades luxembourgeois. Donc, vous avez donc aussi des connaissances, des liens avec les luxembourgeois au sein de la batterie. Ouais, ben, écoutez, je regrette qu'il n'y a plus de luxembourgeois en vie. Non. Et pourtant, moi, je suis encore là. Et en Belgique, il y a encore 3-4 à l'artillerie qui sont encore bien. Et je voudrais, si je peux me permettre, d'insister que ces pauvres luxembourgeois, pourquoi les enfants ne peuvent pas assister à toutes les manifestations patriotiques? Il va y avoir
Alors, Normandie, le souvenir de la guerre. Hein? Ça fait 80 années qu'on a libéré Normandie. Et je voudrais parler avec la direction du gouvernement pour qu'ils envoient quand même une délégation. C'est la moindre des choses. Si tu as la parole facile avec le duc ou bien avec le gouvernement, tu dis que c'est un ancien combattant. Je regrette que je dois le dire. Alors, là. Mon chef est le général de l'armée luxembourgeoise, donc je vais lui donner le message. Parce On que va faire chose. ça, Mais je dois dire qu'il y a le monument de Piron à Bruxelles. Eh bien, c'est rare. Oui, ce qu'il y a là, il y a le porte-drapeau luxembourgeois. luxembourgeois. Mais il n'y a pas une délégation. Et c'est ça qui est dommage. Pour montrer au peuple belge qu'il y avait quand même des luxembourgeois qui étaient présents. Ben, il y a aussi encore une fraternelle, donc Monsieur Diederich, le président, donc aussi un enfant d'un Oui. ancien combattant, Monsieur Diederich, là, tout au Ah. coin. Et donc la fraternelle Enchanté. elle est encore toujours active, donc là on peut faire le lien et après Dans lui, il a besoin. je vais lui donner après. Merci. Et donc là je crois on peut voir, faire une délégation pour aller là-bas et trouver une solution donc. Mais de retour à l'interview, j'ai encore deux autres questions. Donc, vous avez aussi mentionné qu'elles étaient donc dans l'occupation en Allemagne. Et là, comment s'est déroulée votre démobilisation? Donc, quand c'était Oh. vraiment fin pour votre service Oui. militaire? Eh bien, écoutez, c'est amusant. Quand le commandant a rassemblé tous les militaires de la brigade Piron, ils ont demandé, ça approche, je ne dis pas que c'est demain, mais ça approche d'être démobilisé. En une fois, il dit, ah, écoutez, j'ai quand même une mission d'abord à demander. Ceux qui veulent aller dans le RMT School, ça veut dire quoi? C'est l'école de la mécanique. Hein? Et il y avait un seul dans tout ce groupe, pas 100, ils étaient 1000 à écouter, un seul qui a levé son doigt. Eh bien, il n'y a personne d'autre. Je me dis en moi-même, j'ai toujours été très audacieux. Je le dirai tout de suite. Je n'ai pas peur de le dire. Mais la preuve est là. Je lève mon doigt. Ah, monsieur, c'est comment votre nom, Verzin? Ah, eh bien, vous faites bien. Vous savez conduire une voiture. Ben, heureusement que j'ai un copain, que j'ai une fois pris le volant. Et c'est tout, c'est tout. Je ne connaissais rien. Je ne savais pas où est le moteur. Je ne savais pas ce que c'est que le changement de vitesse, etc. Enfin, voilà, me voilà embarqué, arrivé dans le sud de l'Angleterre, exactement à Rhyl. Hein, eh bien, ça a duré 15 jours. Et après, le sergent qui s'occupe de cette chose d'instruction de RMD, je l'ai arrêté. I want to see the commandant. Sir, je n'ai plus le nom en tête. Il me regarde. Yes, I want to go back to my unit. Je veux retourner avec les choses de la brigade Piron. Oh, il était tout étonné. Yes, I can understand the English words for technical dans le genre de RMT School. Je ne comprenais pas le sens de chaque pièce en anglais. Alors, I want to go back. Ça fait que le lendemain, déjà, le commandant me fait venir. Et là, encore une fois, l'audace. You want to go back? Yes. Well, good luck. Il a fait son papier. Et pour que je rentre, lundi, next Monday, you can go back. Bon, je dis, sir, parce que là, il faut dire sir. Hein? Pas commandant, ni rien. Sir, I want to ask something. Je voudrais demander quelque chose. Well, yes, go on, avec le sourire. Well, I want ask if is it possible
to stay here in the United Kingdom. Minimum 8 weeks, 8 days or more. Hein? Ça veut dire que je demande que je peux rester en congé. You are free time. C'est comme ça. Eh bien, je les ai eus parce que j'ai eu l'audace de le demander. Il aurait pu dire, non, c'est pas possible. Eh bien, il m'a fait un free time, 8 jours, et c'est dans 8 jours que j'ai pris le bateau avec ce free time. Ça, c'est une histoire vraie, et ça m'arrive encore. Ça veut dire que la jeunesse, il me tente, il ne faut jamais avoir peur. Il faut toujours essayer. L'audace, ça compte. Hein? Si tu fais une demande, c'est toujours la question oui ou non. Donc, et ici, moi j'ai toujours entendu oui, on va faire ça, comme ça. J'en ai plusieurs. Et ben voilà. Donc, ça c'est sur la question que tu me poses. Et j'estime que j'ai passé un bon moment. Et c'est pour cette raison. J'admire, et je m'admire moi-même, que j'ai quand même pu assister à la libération de l'Europe, en tous les cas. Hein? Il y a France, il y a la Belgique, Bruxelles et la Hollande, et après, l'occupation de l'Allemagne. Donc ça me laisse tout de même une satisfaction. Bravo. Ben, en fait, il y a encore la dernière question. Donc, en Normandie, vous avez pu dire « Il faut que la jeunesse soit à la hauteur pour préserver la paix ». Pouvez-vous expliquer votre raisonnement pour ça? C'est vrai. C'est vrai que la jeunesse... J'habite pourtant une ville universitaire. Et quand je vais au restaurant universitaire, il y a tous des étudiants. Et alors, j'ai dit « Bon appétit !» Ah, il se retourne. Ah, monsieur, oui, mon ami. Mais quel âge que vous avez? C'est la première chose. J'ai dit, j'approche de 100 ans. Ah, et alors, et vous avez fait la guerre? Ben, évidemment, hein, à cet âge-là, hein, et je rencontre, j'ai libéré la Normandie, la Brigade Piron, etc. Alors, vous savez, la Brigade Piron, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, ça veut dire que la jeunesse n'est pas au courant. Et c'est ça qui est dommage. La jeune génération, ils ne connaissent même pas. Et je ne cache pas ce qui est arrivé avec mes parents. C'est maman qui a dit, ici, on ne parle pas de la guerre. J'avais deux frères et des sœurs. Donc, jamais j'ai accosté ce problème. Voilà, je suis sûr que beaucoup, j'ai demandé à des parents, oui, mais on a parlé pas de la guerre. C'est pour dire que la jeunesse n'était pas au courant. Et maintenant, j'insiste, et encore, qu'il y ait des congrès et des conférences. Et ça, j'en ai fait déjà 4-5. Mais c'est trop fatigant. Et tu devais savoir la figure de ce jeune qui était à l'écoute, hein, sans parler, très attentionné. Ils se disent, mais monsieur, c'est pas possible. Vous avez tant souffert. J'ai dit, il n'y a pas que moi qui ai souffert. Il y a pire que moi. Hein. Alors j'explique des camps de concentration. Heureusement, maintenant, il y a des visites. Il y a des chose de bon, tourisme, on ne peut pas faire ce mot, mais des visites à Auschwitz, par exemple, ça laisse une bonne leçon pour la jeunesse. Mais il faut quand même que les jeunes sachent ce que c'est que là. Et depuis qu'il y a la guerre en Ukraine avec les Russes, de plus en plus, ils se demandent où est la brigade Piron. Ça nous rappelle qu'ils ont fait la même chose avec les Allemands. Voilà. Bah, merci pour l'interview, M. Verza. S'il y a encore des autres questions,
peut-être de notre petite groupe de la jeunesse ici. On peut encore donner l'opportunité après l'interview, mais pour le moment, vous avez fait un bon travail. Merci. Oui. Eh ben, on applaudit.